Dieu fait des miracles. Dieu fait des miracles sur Porte TV. Qu'a-t-il fait pour toi? Sec, sec. Sans mélange. Sec, sec. Sans mélange. On m'appelle Loco Sou Inès. Je viens de Godomé. J'avais commencé Porte de Vie. À sous tes raisons. C'est à cause de mon mari. Non, il fit là hier. Je ne venais pas ici avant. Donc, J'étais venue chez mon mari, j'avais fait 2 semaines auprès de lui. La semaine dans laquelle j'étais venue le voir, il m'a dit, le mercredi prochain, on ira à l'église ensemble. Je l'avais dit non parce que je ne voulais pas partir dans son église. Il a dit, chez moi, tu vas me suivre pour partir à l'église forcément. Il m'avait forcé, j'étais venue réellement. Ce mercredi, j'étais venue. Le dimanche qui avait suivi également. Ce dimanche, lorsque j'avais quitté l'église, j'étais partie chez mes parents au village. Trois jours après, j'avais fait un rêve. Mon papa Adam l'homme. J'avais vu l'homme de Dieu. Il m'avait demandé, Fiche, mon enfant, c'est de ta propre volonté que tu es partie chez tes parents. J'avais dit non. Et il me disait, retourne chez ton mari. Dans mon rêve, j'étais à l'église. Il m'avait remis une tisane à l'église. Et il m'avait dit, chaque matin, bois. Et après le rêve, j'avais appelé mon époux. Je l'ai dit. J'avais fait un rêve et j'ai vu ton prophète dans mon sommeil. Ah ah. Ton époux est là actuellement. Il est venu aujourd'hui. Il est parti au boulot. Il m'avait dit qu'il allait venir. Je ne sais pas s'il est encore là. Tu l'as dit que tu avais fait un rêve. Tu avais vu son prophète dans ton sommeil. Oui. Et il m'a demandé ce qu'il m'avait dit. Dis à ton voisin, belle question. Donne-moi la patte au cambio. Le monsieur a bien posé sa question. Il y a un cambio à Ganditon. Je l'ai dit que dans le rêve, il m'avait remis une tisane. Elle m'avait demandé si c'était de ma propre volonté que j'étais partie chez mes parents. C'est une tisane ou soit des médicaments. C'était des tisanes. Après que je l'ai relaté mon rêve, il a dit là quelque chose là. Que le Dieu de ton prophète de réparer, c'est pour cela qu'il t'a remis la tisane. Bon, donnez-nous. Je l'ai demandé, mais il a quoi là? Il m'avait demandé de me retourner auprès de toi. Il a dit, c'est faux. Cette tisane que tu as bu, c'est un bébé miracle qui t'a donné ainsi. J'avais dit que c'était faux qu'il ne m'avait pas dit cela dans mon rêve. Il a dit, même s'il ne te le dit pas, moi, je connais mon prophète. C'est pour cela que je te dis ça. Je lui ai dit, voilà l'une des raisons pour laquelle je ne voulais pas te suivre pour partir à l'église. Il a dit, premièrement, tes menstrues qui n'étaient pas régulières, qu'il va réparer cela. Je répétais toujours, il ne m'a pas dit ça. Il m'a dit de me retourner auprès de toi. Il a dit, quand quelque chose va se passer, tu verras. J'avais dit d'accord.
Le mois de décembre, mon période était normale. J'avais retrouvé mes menstrues normalement. Le mois de janvier. D'un coup trop gourdeau. Après le rêve. Et bien une semaine après, les quoi ils comptent nous. Une semaine après, j'étais retournée auprès de lui. Bon, d'un coup ils comptent. Mon période de décembre en temps normal nous. J'avais eu mes menstrues normalement dans le mois de décembre. Bon, mais voilà 3 jours de prière des voilà le janvier maintenant. Et on était venu lors du réveil de ce mois de janvier. Nous comptons des miwa. Le premier jour. A misaophobie même. Prophète Oblo, ligne de prière. L'homme de Dieu avait déjà même terminé le culte. C'était après la ligne de prière. Et on voulait partir, il m'avait appelé. Il a dit, et ton époux? J'ai dit qu'il est à côté de moi. Il a demandé, vous êtes ensemble, ça fait combien d'années? Je l'ai dit. Il a dit, vous voulez un bébé? On avait dit oui. Il avait prié pour nous. Il a dit partez. Et ramenez le témoignage. Oui, sous vos ovations, nous allons découvrir la prophétie. Toi et ton mari. Venez. Vous êtes venu d'où? Depuis quand vous ensemble? Non. 7 ans. Vous désirez d'enfant? Dieu vous donne votre bébé aujourd'hui. Voilà, reçois ton enfant. Est-ce que je suis homme de Dieu? Regardez-la bien. Ils apporteront le témoignage ici. Ta main droite. Voilà. Va et ramène le témoignage. Voilà la prophétie de l'homme de Dieu. Dadaïone. C'était le mercredi 10 janvier 2024. Et qu'est-ce qui s'est passé après votre départ d'ici? Demi gosi figudo anteje. Demi gosi figudo. Chomi kana fionye po asuche po miose gbetare. Avant qu'on ne vienne ici, mon époux et moi on avait pris une décision. Bondonino. Je l'avais dit. Ce qu'on désire avoir depuis, mais on ne l'a pas encore eu. Vaut mieux que tu ne te rapproches plus de moi sexuellement. C'est ça, vous avez dit. Alors, tu as refusé de jouer le match. Oui, c'est ce que j'avais dit. Il avait accepté. Oui, il avait accepté. Et il a dit depuis le mercredi qu'on arrête d'abord voir. Voilà qu'on était venu le mercredi et l'homme de Dieu avait prié pour nous. En chemin, je l'ai dit. Aujourd'hui, lorsque nous on a déjà pris notre décision, c'est ce jour que l'homme de Dieu a vu pour prier pour nous. Il m'avait dit que c'était l'œuvre de Dieu. J'avais dit d'accord. On était parti à la maison. Et il m'avait demandé qu'on réessaye voir. Ton mari est là. Appelle son prénom, je vais voir. Pour voir s'il est dans la chapelle. Mon cœur. Hein? Il a entendu, hein? Regardez ça. Comment est-ce que tu l'as appelé maintenant? Dans mon cœur. Ça, c'est la première fois que j'entends ça. Nous connaissons ce qu'on est. Dis à ton voisin, je n'ai jamais entendu ça là. Non, mais n'a pas toi, ni on sait quoi, mais. Mon cœur, cabo. Mon cœur, bonne arrivée. Donc, bon, vous pouvez me dire que je suis en train de match. C'est vrai que vous aviez pris la décision de ne plus jouer le match. Oui. Oui, on avait déjà pris la décision. Qu'on va s'arrêter d'abord pendant une semaine. Congé d'une semaine. Quand l'homme de Dieu vous avait prophétisé, il avait prié pour vous. Comment est-ce que vous avez fait? En chemin,
je l'avais dit, arrivé à la maison, on va s'amuser, essayer voir. Wow, bon, demi déjà fait bouillon, demi nago, madame. Et arrivé à la maison, madame, qu'est-ce que vous avez fait? Demi déjà fait bouillon, mais essayer nous. Arrivé à la maison, on a réessayé encore. Bon, ça y est, néo, mais on dame l'on débois. Dans cette nuit, je n'avais pas du tout dormi. Mon prophète dame l'on menoubo. J'avais encore vu le prophète dans mon songe. Et le déroul mien kaka mon bodjea. Il priait tellement pour moi. Il a tellement prié pour moi. Et nous avons goût de mois de janvier. Après cela, toujours dans le mois de janvier, mon période, je n'ai plus retrouvé mes menstrues. Waouh! Dis à ton voisin, Sénégal contre Côte d'Ivoire. Non, mais n'a pas été au Sénégal contre Côte d'Ivoire. Sénégal Côte d'Ivoire. Sénégal contre Côte d'Ivoire. Ça a chauffé. Et n'a rougeau dessous. Non, à ce moment-là, tu n'as plus retrouvé tes menstrues. Et on sort moi. Non. On était parti à l'hôpital pour faire le test de grossesse. Et ça avait révélé que c'était positif. Est-ce que tu peux acclamer très fort? Le Dieu du prophète François Xavier Alokpe. Il dit, il le fait. Nous découvrons les images. Oui, ça c'est le test TBG positif. Maintenant l'échographie. Tiens, échographie. Le Kosu Inès, la conclusion dit grossesse mono-embryonnaire. A Dogolopo, Vilopo à Dogouame. Utérine. Boda Jikouame. De thème échographique estimé à 6 semaines 4 jours. Bablo s'est blaisé à Zenedjedji. 6 semaines 4 jours. S'est blaisé à Zenedjedji. Oui, il y a des particularités. Bonne vitalité embryonnaire ce jour. A Zenedjedji, il y a Vioro Gandhi. Donc, Aïwan et Baou de Bois. L'amusement, le jeu, c'était pas du tout amusant. Et Daoun de Bois. C'était pas du tout amusant. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est moi qui ai marqué un but. C'est l'homme qui marque toujours le but. Non, mais d'accord, tu as sous nous, on dit, on doit acclamer très fort Jésus pour ce miracle. Plus fort. Ce soir, Dieu va t'étonner. Dis amen très fort. Dis à ton voisin. Ce soir, c'est ce soir. J'aurai ma grâce. Mon miracle. Au nom de Jésus. Dis amen. Dieu fait des miracles. Dieu fait des miracles sur Porte TV.